Serious, come. What the fuck? Pogné à chaîne un peu, là, mais t'as vu? Quand j'arrive, puis je vois le char décoller, là. Woo! Ouais, fait que, autre que ça, belle petite journée aujourd'hui, il vente un petit peu, mais il fait un beau 10 degrés environ, c'est merveilleux. Là, je me promène avec mon père, là, qui est juste en avant de moi, sur son Suzuki Intruder 1989. On vient de partir, on est allé manger, puis on se promène un petit peu. Oh, je sais pas si vous voyez ça, on voit la lune dans le ciel. Toujours spécial, ça, de voir la lune dans le jour, là. Justement, j'en parlais avec mon père tantôt. Ça m'a fait penser que je pourrais en parler dans un vlog aussi. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des journées que votre moto, vous la sentez juste pas? Ou genre, ben en fait, c'est pas juste la moto, c'est comme tout. On dirait que tu le sens pas. Genre ta clutch, elle file pas comme d'habitude. Tu sens l'intérieur de tes gants. Tout va mal. Genre ton chiffre, c'est pas fluide. C'est de la grosse merde. On dirait que tu le sens pas, ça marche pas bien, genre. Moi, ça m'arrive une fois de temps en temps, puis aujourd'hui, justement, c'est une journée comme ça. Je le sens pas. On dirait que tout ce que je fais, y'a rien de fluide. Quand je dis que je sens l'intérieur de mes gants, là, c'est carrément ça, là, genre. On dirait, genre, mettons ma main qui est sur le gaz présentement, on dirait que je sens plus l'intérieur de mes gants que je sens ma poignée, là, c'est... Ah. Je le sens pas. Autant qu'il y a des journées que tu le sens au bout, on dirait que la moto fait partie de toi. T'as pas à penser à rien, tout s'est fait tout seul. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est une journée que faut que je pense à absolument tout, puis ça va mal quand même. Pas juste en moto, des fois ça me fait la même chose quand que je game. Tu sais, quand tu games puis que tu vois l'écran, comme tu vois le contour de l'écran, tu sens ton clavier, tu sens ta souris, tu sens toute la surface en dessous de ta souris, ah ça va mal. Tu sais, quand t'es pas juste concentré sur ce qui se passe dans le jeu, puis on dirait que t'es conscient de tout comme alentour, puis ah, ça va mal. Aujourd'hui, c'est une journée comme ça. Bon, mais tant qu'à vous avoir dit que je gamais, je suis aussi bien de vous parler un peu sur quoi je game. Moi, c'est pas compliqué, ça fait à peu près 3 ans que je joue au seul et même unique jeu, ou presque. Ce jeu-là, c'est Smite. Sur PC, ça se trouve être un MOBA, un peu à la League of Legends. Mais en troisième personne. Ça fait pas mal de 3 ans que je joue à ça. J'ai commencé, c'était en bêta fermée. Pas longtemps, là. Je pense que j'ai joué genre une ou deux semaines pour que ça s'est tombé en bêta ouverte. Puis on est en pleine saison 3. Mais je vais vous avouer que je commence à être un petit peu tanné de Smite, là, des MOBA en général, là. Communauté vraiment trop toxique, puis je sais pas, juste plus le fun.
soit que je sac parce que je perds ou je suis juste neutre parce que j'ai gagné. Puis j'ai pas vraiment beaucoup de fun à jouer à ça à cette heure-là. C'est clair, à la seconde, t'as décidé que t'y allais à tombe jaune. Fait quoi, je joue encore un petit peu à Smite. Plus parce que j'ai mis beaucoup trop d'argent dans ce jeu-là que parce que j'ai du fun. Sinon, récemment, j'ai découvert The Calling. Un jeu un peu à la Hunger Games. C'est assez plaisant, c'est encore en Early Access, fait que ça rend mal là. Mais sinon c'est vraiment le fun, j'ai joué un peu avec un de mes amis puis il y avait bien du fun à avoir. Sinon j'ai streamé un petit peu sur Twitch pendant un petit bout, mais je pense que c'est juste pas la chose pour moi, parce que c'est bien le fun quand t'as des bonnes games, mais en tout cas, surtout à des MOBAs, là, quand tu te fais quote-unquote chier dessus, c'est pas trop le fun d'avoir du monde qui te regarde et qui te dise dans les commentaires « Hey, t'es un cave, t'aurais dû faire ça, t'aurais dû faire ça! » Fait que j'ai streamé pendant un petit bout, je me suis fait une couple de followers, on a fait comme une trentaine de followers, mais je sais pas, c'était juste pas la chose pour moi. Surtout que je streamais du Smite puis je commence à être vraiment écœuré de Smite. Fait que Fait qu'à moins que ma channel YouTube grossisse pis que vous me dites que ça vous tente de me regarder gamer là, je pense que Twitch, ça va être mort. Mais je vous dis pas que si je trouve pas un jeu que je trippe, je me mettrai pas à le streamer. Comme là j'ai précommandé Overwatch, fait que j'ai bien hâte de voir ça. J'étais un peu déçu parce que je m'attendais à avoir accès à bêta en le précommandant, mais ça a l'air que non. Fait que ça va être pas ça pour aujourd'hui, gang. Un court petit vidéo, j'avais envie d'en faire un, je sais pas, j'allais me promener, fait que on va se dire à la prochaine. Peace out. Le gars Mohawk vert! Le gars Mohawk vert fait des petites vidéos. Je vais vous linker ça dans 3, 2, 1, paf! Coin en haut à droite.